C'est lors du premier jour qu'Hachem créa la lumière ainsi que l'obscurité. Ce monde est parfois si sombre, donc Hachem a ordonné à chaque juif de l'éclairer. Oh, oh, oh. Chaque mitzvah que j'accomplis, quand cherche l'obscurité, je fais fuir. En faisant du bien autour de moi, je suis hors une lumière qui brille. Je sens au fond de moi ce diamant aux mille éclats. Cette partie de toi, c'est ma neshama. Je dois briller, éclairer ce monde. C'est durant le quatrième jour que les astres sont créés. Le jour Shemesh, le soleil peut briller. C'est quand arrive la nuit qu'Ariach, la lune apparaît avec ses étoiles Kochavim. Tous les 28 ans, le soleil rejoint sa place qu'il avait lors de sa création. Ce jour est si important que lors de cet événement, une bracha nous récitons. À chaque mitzvah que j'accomplis, quand cherche l'obscurité, je fais fuir. En faisant du bien autour de moi, je suis hors une lumière qui brille. Je sens au fond de moi ce diamant aux mille éclats. Cette partie de toi, c'est ma neshama. Je dois briller. À chaque mitzvah que j'accomplis, recherche l'obscurité, je fais fuir. En faisant du bien autour de moi, je suis hors une lumière qui brille. Je sens au fond de moi ce diamant aux mille éclats. Cette partie de toi, c'est ma neshama. Je dois briller, éclairer le monde. Chaque mitzvah que j'accomplis, en cherche l'obscurité.